Félicitations, vous venez d'acheter l'un des appareils d'exercice les plus complets sur le marché. Votre exerciceur Total Body Sculpture est conçu pour vous aider à améliorer votre condition physique et si vous l'utilisez correctement, vous obtiendrez les résultats que vous avez toujours souhaités. Gardez cette vidéocassette à portée de la main et n'hésitez pas à la visionner à nouveau pour profiter au maximum de votre exerciceur Total. L'entraînement cardiovasculaire et les exercices musculaires sont importants, peu importe votre âge. En général, il suffit de s'entraîner pendant 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine pour demeurer en bonne forme. Avant de commencer l'entraînement, prenez le temps de vous familiariser avec les divers composants de l'exerciceur. Pour plus de détails, consultez la liste des pièces du mode d'emploi. Poutre verticale, planche coulissante, boulon à ressort, prise en mousse, poignée, corde principale, poulie latérale, repose-pied. L'exerciceur Total est livré presque complètement assemblé. Pour compléter l'assemblage, il suffit d'installer le repose-pied avec les deux goupilles de blocage fournies. L'exerciceur Total peut alors tenir debout en prenant appui sur le repose-pied. C'est d'ailleurs dans cette position que vous le rangez. Pour déplier votre exerciceur Total, tenez la poignée d'une main et la poutre verticale de l'autre. Tirez sur la poutre verticale pour l'éloigner de la planche coulissante jusqu'à ce que l'exerciceur prenne la forme de la lettre A et qu'il repose sur ses deux pieds cylindriques. Tirez doucement sur la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ce bruit est produit par le bouton à ressort du rail droit qui s'enclenche en place. Insérez la goupille de blocage dans le rail gauche. L'exerciceur est maintenant prêt à être utilisé. Retirez la goupille de blocage du rail gauche, appuyez sur le bouton à ressort du rail droit et poussez le rail vers l'intérieur pour le désengager. Relevez le contrefort jusqu'à ce que les rails d'inclinaison se rétrécissent et que l'exerciceur prenne à nouveau la forme de lettre A. Continuez à rapprocher les rails et la poutre verticale jusqu'à ce que l'exerciceur soit complètement plié et qu'il prenne appui sur le repose-pied. Il y a 8 trous de réglage sur la poutre verticale. Celui du haut est utilisé pour bloquer l'exerciceur en position verticale. Seuls les redressements assis, les tractions à la barre et les développés des jambes sont recommandés à cette hauteur. Sur l'exerciceur Total, la résistance est influencée par le poids de votre corps et par l'angle d'inclinaison de la planche coulissante. Les trous de réglage du bas de la poutre verticale offrent le moins de résistance. Plus le trou de réglage choisi est élevé, plus la résistance est importante. Pour bon nombre d'exercices, vous devez faire face à la poutre verticale. Vous devez tirer sur les poignées des cordes pour faire monter la planche coulissante. Laissez vos jointures reposer sur le dessus de la planche, agenouillez-vous sur la planche et vous êtes prêt à commencer. Si vous devez faire dos à la poutre verticale, tenez les poignées des cordes derrière vous et asseyez-vous sur la planche coulissante. Assurez-vous que les cordes ne sont pas emmêlées derrière vous. Mettez vos pieds sur la planche et vous êtes prêt à commencer. Il est aussi important de bien vous placer sur la planche coulissante. Par exemple, lorsque vous faites des exercices de traction, assurez-vous que votre tête repose sur le haut de la planche coulissante. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les derrière la tête pour éviter qu'ils ne se prennent dans les rails lorsque la planche se déplace. Pour les exercices de traction sous les bras, asseyez-vous sur le haut de la planche. Il sera impossible de faire cet exercice si vous soyez trop bas sur la planche. L'exerciceur Total vous permet d'effectuer des exercices cardiovasculaires, des exercices pour le bas du corps et des exercices pour le haut du corps. Prenez le temps de visionner le reste de la bande vidéo.
Nous y présentons des démonstrations des divers exercices que vous pouvez effectuer. Vous pouvez aussi consulter le guide des exercices du mode d'emploi pour profiter pleinement de votre exerciceur Total Body Sculpture. Extension flexion. Aviron retenu. Aviron à genoux. Aviron assis. Levée des mollets. Extension sur une jambe. Extension sur deux jambes, orteil vers l'extérieur. Extension sur deux jambes, orteil vers l'intérieur. Flexion des jambes. Slalom. Fente. Levée du bassin. Élévation des hanches. Flexion et étirement du dos. Redressement dorsal. Redressement dorsal inversé. Redressement assis modifié. Torsion oblique. Élan de golf. Torsion dorsale. Haussement des épaules. Traction sous les bras. Levée des bras. Rotation interne des épaules. Rotation externe des épaules. Coup droit. Revers. Brasse papillon. Papillon dorsal. Papillon ventral. Papillon assis. Extension des bras. Traction. Extension droite des bras. Développer des triceps. Traction des triceps.
extension des triceps. Flexion des biceps à genoux. Flexion des biceps assis. Flexion renversée. Flexion des poignets. Nous garantissons des résultats si vous effectuez régulièrement tous ces exercices. Merci d'avoir regardé cette vidéo cassette.